malgré tes soucis, malgré tes problèmes, malgré les épreuves que tu endures durant toute cette année, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur voudra te voir dans la joie, que tu puisses l'élever, l'adorer, le glorifier. La Bible dit, bien-aimé, la joie de l'Éternel est ma force. Que sa joie soit ta force en ce jour. Et qu'avec cette joie que le Seigneur t'aura rempli, par laquelle le Seigneur t'aura rempli en ce dimanche, avec cette louange par laquelle le Seigneur t'aura rempli, aura rempli ton cœur en ce dimanche, que tu puisses entrer dans l'année 2019 avec cette gloire. Que tu puisses entrer dans l'année 2019 avec cette puissance, avec cette autorité, avec cette joie qui te permet de demeurer dans la présence de Dieu, qui te permet d'avancer d'épreuve en épreuve, de gloire en gloire, de vivre sa gloire chaque jour. Chaque jour, pour un enfant de Dieu, doit être un jour glorieux, un jour merveilleux. Car Dieu est le maître de temps et des circonstances. Il ne dépend pas des temps, il ne dépend pas des circonstances, mais il les tient dans sa main. Et il est Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, tu ne dépends pas de ces choses. Alors que le Seigneur nous fasse grâce de vivre un moment glorieux, un moment merveilleux ce jour. Je t'invite à prendre une attitude de prière. Je t'invite à prendre une attitude d'adoration en ce matin. Alléluia Jésus, béni sois-tu. Reçois l'honneur et la gloire Jésus, béni sois-tu pour ta présence au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te disons merci parce que tu es là, parce que tu es présent éternel Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire éternel Dieu tout puissant Père. Nous voulons Seigneur te remettre éternel Dieu ce temps entre tes mains. Nous voulons Seigneur Jésus te bénir éternel Dieu pour cette opportunité que tu nous as donnée de venir en ce lieu dans ta maison éternel Dieu. Oh oui Jésus, ta parole déclare, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons à la maison de l'éternel. Seigneur Dieu merci Père. Parce que c'est dans ta maison, éternel Dieu, que nous pouvons nous réjouir, éternel Dieu. C'est dans ta maison, éternel Dieu, que tu te révèles, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu redoutable dans l'assemblée des saints. C'est là où tu te manifestes, c'est là où tu agis puissamment, Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, nous t'exaltons, nous te magnifions, Jésus. Alléluia, Jésus. Thank you.
Je ne cesserai pas de t'élever, Jésus. 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 Je ne cesserai pas de t'élever, Jésus.
They don't have work. Tu me suis? Bon, c'est sûr, tu me dis, il y en a qui se contentent de ne pas avoir le travail pour toucher les allocations. The other will use themselves to don't have work to have allocation. Mais ce n'est pas une vie. But it's not a life. Parce que le jour où les allocations vont cesser. Because the day that the allocation will finish, the person will have problem. Le travail, je vois des gens quand on leur annonce qu'ils vont partir à la retraite. I saw people when they tell them that they're going to go to retirement. They are depressed before going to the retirement. Et vous remarquerez, je crois que les statistiques le montrent. And you will see les gens qui vont à la retraite. That people will go to retirement. Peu d'entre eux, à moins qu'ils aient une vie associative active. Less of them. La plupart d'entre eux, ils dépriment tellement qu'ils meurent dans les 10 ans qui suivent. Most of them, they are so depressed that they die 10 years after the retirement. Mais comme dirait la pub, il y a une vie après le badoir, après la badoir. Like the adverse, the il y a une vie après le travail, il y a une vie qui ne dépend pas du travail. A life that doesn't depend of the work. Can you say amen with me? Les gens se sont creusés des puits. And people make puits. Ils savent que Jésus est la source. And they know that Jesus is the source. Ils disent non, on va se créer nous-mêmes notre propre source. And they say that we are going to make our own source. Mais la Bible dit que source là ne retient pas l'eau. And the Bible says that those sources don't. C'est comme les gens qui trouvent leur joie dans la bière, dans l'alcool. People who take their joy in
alcohol. Je sais que quand je suis dans un mariage, les gens m'observent. In a people look at me. Il est temps que l'apôtre est là, on sort pas. I said that if the apostle is there, we don't bring out our alcohol. Mais j'ai remarqué dans les mariages, j'observe. But I see it in marriage. Dès qu'ils savent que l'apôtre part. When they know that the apostle is going. En plus, ils se gênent pas de le mettre sur Facebook. And then they put it in Facebook. 1.50 de Johnny Walker qui se balade. 1.5 liters of whiskey or 3 liters. Et les gens boivent. And people drink. Je n'ai rien contre, buvez. I don't have anything against drink. Elle va vous procurer une joie, disons, l'alcool va vous procurer une joie éphémère. Alcohol will bring you a joy that will end after. Un jour ou l'autre, tu dois te réveiller des ivresses. And one day or another, you have to wake up. Et tu vas te rendre compte que la vie continue. And you will see that life is continuing. Tu n'as plus un sou. You don't have any money. You don't have money. Famille, I was having someone in my family. Il travaillait pour une société nationale dans Oblède. It was working for enterprises. Quand c'était la paie, le jour de la paie, c'était entre le 25 et le 30. When it was the day that you have to have his morning. Quand on entendait quelqu'un chanter vers 19h, 18h. When we hear someone singing around 7 or 8. On savait que c'était le jour de la paie. We knew that is the day that the person received the salary. Mais quand il arrivait à la maison, il restait plus grand chose. But de when la he paie. Came back at home, he didn't have anything. Il y a des choses qu'on a vécues qui sont horribles parfois à décrire. There are people that things like that we saw. Il trouvait sa joie. Il chantait. Hein. And he was singing. Mais il chantait sous l'onction de la bière. But he was singing under the unction of Et l'argent beer. Était parti. And the money went away. Et il ne restait plus rien. And he didn't have anything. On mangeait des choses bizarres. And was eating. Je ne peux pas vous décrire terrible things. I cannot describe it to you. Vous voulez voir connaître un exemple? You want to have an example? Il n'y avait plus tellement d'argent que la pauvre tante devait faire la cuisine, faire la semoule. He didn't have money and the aunt had to make semoule. Et pour accompagner la semoule de manière qu'il fallait qu'il y ait l'eau salée. C'est-à-dire qu'elle prenait juste l'eau qu'elle faisait bouillir. She was taking water. Elle mettait du sel. And she put salt. Un peu de piment. And légèrement. Pepper. Et il fallait que c'était ça notre nourriture. And it was our food. Vous n'avez jamais vécu ça. Vous n'aimerez pas entendre ça. Mais ça, c'est mon parcours. Mais j'ai survécu. But I live. Parce que Dieu m'a gardé. Because God keep me. Ça fait bizarre d'entendre ça. Hein? Oui, la joie éphémère. A joy that apporte la joie. After. Alcohol bring joy. Éphémère. But a joy c'est that never... C'est Jésus qui est la source, dit ceci. But Jesus is the source, says. Mais vous n'enivrez pas du vin. Don't drunk yourself. C'est la débauche. Mais soyez enivrés. But be drunk. Du Saint-Esprit. Of the Holy Spirit. Et l'ivresse du Saint-Esprit. And the drunkenness of the Holy Spirit. Ne s'enlève pas le lendemain matin. Cannot go the morning. C'est-à-dire que tu t'endors enivré. Tu te réveilles enivré. Tu vas au travail enivré. And you go to work. Alléluia. And you say Alléluia. C'est une joie extraordinaire. And this drunkenness is a great joy. Le jour où le Saint-Esprit est venu. The day when the Holy Spirit came. La Bible dit les gens ont dit. The Bible says that people. Ils sont ivres. They are drunk. Ils sont ivres. They are drunk. Mais ça c'est l'ivresse du Saint-Esprit. But it's the drunkenness of the Holy Spirit. Vous avez abandonné la source de la joie. You abandon the source of joy. Vous vous êtes concocté une source. And you make your own sauce. Qui n'est qu'éphémère. Who will pass away. Alors qu'on nous dit ici, Dieu est la source de ma joie. Although they tell us that God is the source of our joy. Mais lorsque tu entends Fali Ipupa qui But vient, when you hear Fali Ipupa who came. Le samedi soir tu es là-bas. On Saturday you are tu there. Tu danses aussi avec Fali. And you dance also with Fali. Mais quand on est à l'église. But when we are in church. Tu dis que Dieu est ta source. You say that God is your non, source. Si Dieu est ta source. If God is your tu source. Tu ne vas pas danser avec Fali. You will not dance with Fali. Si Dieu est la source. If God is your tu source. Tu ne vas pas danser avec Michael you Jackson. You cannot dance with Michael Jackson. En fait, c'est comme si Dieu ne peut pas te donner la vraie joie. God cannot give you the great non, 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 the real joy. Dieu est la source de God ta joie. God is the source of your joy. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Can we say amen? Quelle est la source de ta joie? What is the source of your joy? Pose la question à ton voisin. Ask the question to your neighbor. What is the source of your joy? Vous savez, dans le royaume de Dieu. You know, in the kingdom of God. Dieu ne veut pas d'un peuple triste. God never wants a sad people. Dieu ne t'a pas créé pour être triste. He didn't create you to be sad. Tout le monde ne s'appelle pas Jérémie. Everybody is not Jeremiah. Pour dire oh, pourquoi mon malheur dure toujours? To say that why my problem si quelqu'un s'appelle Jérémie, même si quelqu'un s'appelle Jérémie, mais c'est pas le Jérémie. Even though someone has the name of Jeremiah is not the L'homme Jeremiah. L'homme qui a des souffrances en souffrance. The one who is going to suffer. Qui va dire à Dieu pourquoi ma souffrance est-elle interminable? And say that why my suffering Dieu is not Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. God
Comment être triste? Comment garantir la gloire de Dieu? How do we see the glory si of God? Tu es un chrétien triste, if you are a sad Christian. Comment peux-tu encourager quelqu'un? How can you encourage si someone? Si tu n'as pas la joie en if toi. You don't have the joy in you. Est-ce que tu peux dire amen avec can moi? Can you say amen with me? Même vos amen manquent de joie et d'enthousiasme. Even your amen didn't have joy. Dis à ton voisin, je ne suis pas Jérémie. Tell your neighbor that I am not Jeremiah. Même Jérémie, l'homme le plus, le prophète le plus déprimé de la Bible. Even Jeremiah, the most depressed prophet in the Bible. Lisez Jérémie, vous allez comprendre. Read Jeremiah. He was depressed. Mais néanmoins, Jérémie va dire ceci. But Jeremiah will say this. Il va dire deux choses importantes. He will say two important things. De loin, l'Éternel se manifeste à moi. Far away, the Lord is manifesting himself to me. Et il me déclare ceci. And he declares to me. Je t'aime d'un amour éternel. I love you with an eternal love. Jeremiah 31. And in the book of Lamentation, Lamentation, Jeremiah je sais une chose. I know one thing. La bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Is not ending. Elle se renouvelle chaque matin. Même celui qui est déprimé, even the one who's depressed, il savait qu'en qui pouvait se confier. Qui était la source de sa joie, la source de son bonheur. Il va dire encore ceci. And he will say this. Jérémie chapitre 29. Jeremiah 29. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. La Bible dit ceci. And the Bible ce n'est pas un projet de malheur. Il dit que c'est le projet de paix. Vous savez quoi? La paix, elle dépasse la joie. La paix, elle dépasse le bonheur. La paix, elle dépasse la santé. La paix, elle dépasse l'argent. La paix, la paix, viens avec moi la paix. Shalom, shalom. Shalom. Il y en a qui se réjouissent dans leur réalisation, dans leur projet. There are others who enjoy themselves in their realization or their project. Quand ils achètent une nouvelle voiture, when they buy a new car, ils veulent que tout le monde voie. They want that everyone. Mais toi, tu savais pas ce que Dieu m'avait dit. Dieu te parle. Ne doute pas. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus. Est-ce que le pasteur Joe peut venir avec l'évangéliste? Avec l'ancien, vous allez l'entourer. Il a besoin d'une nouvelle onction. Il a besoin d'un renouvellement, d'un relèvement de foi. Voici la fin. Est-ce que tu peux chanter encore? Je suis sauvé. Je suis sauvé. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je sens la présence d'une manière particulière ce matin pour élever quelqu'un. Un jour j'irai vers le ciel. Oh, j'irai là-bas. J'irai là-bas parmi les anges. Parmi les anges. Passant au temps à la louange.
sa parole toute puissante, et j'ai trouvé grâce à tes yeux.